Bonjour tout le monde, c'est Henri, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour notre séance 5 de la programmation Summer Training, qui est une séance dite de fractionné course à pied. On s'est bien éclaté le cardio la semaine dernière avec la séance 4 qui était la séance HIIT avec des burpees. On continue sur cette lancée de travail cardiovasculaire. Après avoir bien renforcé les mollets et les cuisses avec tous les jumping jacks qu'on a fait et tous les squats qu'on a fait, on peut maintenant attaquer la course à pied en ayant bien limité le risque de blessure. Après un échauffement de 8 minutes, 3 circuits nous attendent dans cette séance. Un premier circuit qui inclut du renforcement musculaire et de la course à pied pour prolonger un petit peu l'échauffement. Un circuit 100% course à pied avec du travail de vitesse, travail de résistance et travail de seuil lactique. Et un petit circuit à la fin pour travailler un petit peu le gainage. Comme d'habitude, on fait tous la même séance, mais chacun à son rythme. On part pour notre échauffement de 8 minutes. On va alterner à chaque fois une minute de course en petite foulée et une minute, soit de pas chasser, soit de pas croiser. Course en petite foulée. Va chasser pied droit devant. Course en petite foulée. Pas chassé, pied gauche devant.
course en petite foulée. Pas croisé, pied droit devant. Course en petite foulée. Pas croisé, pied gauche devant. Récup. On va pouvoir attaquer le premier circuit de notre séance. Ici, je suis sur un terrain de basket qui doit faire 20-25 mètres. De l'autre côté, derrière moi, j'ai accroché ma corde ou mon TRX pour travailler les dorsaux. Le circuit, très simple. 10 lourds pour les dorsaux. Je reviens en courant. 10 pompes pour les pectoraux. Je repars en courant. Ça fait un tour. Je fais un maximum de tours en 10 minutes. Pensez toujours que ce circuit, c'est un circuit de transition. Donc on sort de la zone de confort, mais on ne se crame pas non plus. On a besoin de garder sous la pédale pour le fractionner course à en parler qui nous attend après.
Juste pour vous dire que si vous voulez acheter un TRX à 20 euros, ce ne sera pas de l'argent jeté par les fenêtres. Moi, je le fais avec ça pour le faire avec tous ceux qui le font aussi avec juste une corde. Mais bon, avec une inclinaison, faut quand même avouer que ça fait vraiment mal aux mains. Ah, je sais que tous les maçons, agriculteurs, mecs qui font du judo, de l'escalade me traiteront de petits joueurs, mais ça m'a vraiment limité sur les mains. Je suis obligé de faire un nœud en plus au milieu du circuit, à prendre à l'envers, à l'endroit. Enfin voilà, un TRX ça coûte 20 euros, vous le gardez 20 ans et c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. On va pouvoir attaquer notre deuxième circuit, le gros circuit qui nous intéresse aujourd'hui. On va travailler ça sur de la course à pied, des allers-retours dans le terrain de basket. Vous pouvez très bien le faire sur une plage, sur un chemin en continu, ça m'est égal. Moi, je vais le travailler en aller-retour. Ici, on va faire d'abord un travail de vitesse avec 15 secondes de travail à fond, 30 secondes de récupération totale. Et ça, on va le faire 8 fois. On prend 2 minutes de récupération. On part sur un travail de résistance. 30 secondes de travail, 30 secondes de récup totale. Et ça, on le fait 4 fois. Ensuite, je vous propose un petit challenge. C'est le travail de seuil lactique. 30 secondes de travail, 15 secondes de récup totale. Et ça, un maximum de tours. Je vous propose une petite modification sur le travail de seuil lactique. On va faire 30 secondes de course avec de l'intensité. Et les 15 secondes d'intervalle ne seront pas de la récupération, mais 15 secondes de squat. Ça, c'est un type d'exo où il faut être honnête avec soi-même. Au moment où vous baissez fortement l'intensité de la course à pied, au moment où vous cassez votre rythme respiratoire, c'est que vous êtes arrivé à votre seuil lactique. Si vous ralentissez, que vous vous retrouvez sur un petit footing du dimanche, sur ce type d'exo, et ben forcément vous trichez. Et bien sûr, vous mettez dans les commentaires de la vidéo le nombre de tours que vous êtes arrivé à faire. 30 secondes de course, 15 secondes de squat. Un petit peu de théorie. Pour fonctionner, vos muscles ont besoin d'oxygène et de sucre. En fonction du type d'effort qu'on fait, il va avoir du sucre, mais pas le temps d'amener de l'oxygène en quantité suffisante. Si on fait un travail de force et de vitesse, et un travail très court, 10-15 secondes, le corps peut presque le faire en apnée. Il va utiliser uniquement l'oxygène présent dans les muscles. Ensuite, on récupère, on est essoufflé, on inspire, on ramène de l'oxygène nécessaire. Donc il y a l'oxygène et là le sucre. Il ne crée pas de déchets, il fonctionne normalement. Si on fait un travail de résistance, dit de résistance, d'efforts assez intenses, qui vont chercher entre 1 minute et 2-4 minutes selon les types d'efforts, cela signifie que votre corps a assez de sucre, mais n'a pas le temps d'amener l'oxygène nécessaire au bon fonctionnement. Du coup, il va fonctionner quand même, mais il va créer des déchets qu'on appelle l'acide lactique. C'est cette sensation de brûlure dans les muscles et de très fort essoufflement. Sur notre dernier circuit, on ira chercher ce qu'on appelle le seuil lactique. C'est le moment en fait où le corps sature en acide lactique et dit bah non, moi je m'arrête. C'est le moment en fait où vous n'allez plus pouvoir continuer. Au niveau respiratoire, vous allez lâcher, vous n'allez plus tenir un rythme cohérent et le corps vous dira tout simplement de vous arrêter. Allez, on n'a plus aucun doute sur l'échauffement. On part pour le travail de vitesse, 15 secondes à fond, 30 secondes de récup total. Et ça, on le fait 8 fois. Parti. Course. Récup. Course. Récup.
course. Récup. Course. Récup. Oh, j'ai l'habitude de le faire sur les pistes d'athlée. Et là, de devoir relancer à chaque fois, oh, ça pique encore plus. Course. Récup. Course. Récup. Il en reste deux. Course. Récup. Course. Récup. On récupère 2 minutes et on repart sur le 30-30 x 4. Allez, on a récupéré 2 minutes, on y va maintenant pour le 30-30. 30 secondes à fond, 30 secondes récup total. C'est parti, on y va. Allez, 3, 2, 1. Course. Récup. Course.
course. Récup. Course. Récup. Course. Récup. On récupère 2 minutes et on y retourne. 3, 2, 1, go! Course! Squat. Course. What? Course. What? Course.
squat. Course. Squat. Là, j'y vais, 4 tours. Course. Squat. Course. Squat. Allez, on va attaquer le travail de gainage. J'ai trouvé quelques centimètres carrés d'ombre, mon t-shirt pour poser les coudes, et puis on attaque. Premier mouvement, gainage de face, soit sur les mains, soit sur les coudes. Toujours le critère, c'est d'engager fortement les fessiers, que vous venez aussi protéger votre dos et d'aspirer l'ongle à l'intérieur pour engager les abdominaux profonds. Pensez que si vous engagez ici les fessiers, ça va venir vous empêcher de surcambrer le mouvement. Deuxième mouvement, gainage de côté. On se place sur un coude ici, les tronçons du pied sur une ligne. Si c'est trop intense pour vous, posez un genou au sol. Et ça vous permettra de garder l'alignement avec moins de charge de travail. 30 secondes de face, 30 secondes sur un côté, 30 secondes sur un côté. Ça fait un tour. On fait 3 tours.
fait. On a fini la séance pour aujourd'hui. Bravo et merci à tous d'avoir suivi cette séance et de vous être donné à fond parce que c'était difficile et ça a piqué. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires de la vidéo le nombre de blocs que vous êtes arrivé à tenir avec 30 secondes de course à pied et 15 secondes de squat. Et partagez la vidéo pour challenger vos amis. Rendez-vous lundi prochain pour la séance 7 de la programmation Summer Training avec une séance HIIT, High Intensity Interval Training, mais cette fois-ci à dominante renforcement musculaire. Je vous retrouve lundi prochain et je vous souhaite toujours de bonnes vacances. À bientôt. Ciao.